Praise the Lord, church. Gloire au Seigneur, Église. Praise the Lord again. Gloire au Seigneur une fois de plus. How are you today? Comment allez-vous en ce jour? I know you are well. J'espère que vous allez bien. I know since last Sunday, je sais que depuis le dimanche dernier, the Lord has been faithful. L'Éternel s'est démontré fidèle. I take this time et j'aimerais profiter de ce moment to welcome you pour pouvoir vous souhaiter la bienvenue in this service. À ce culte. You are the most welcome. Vous êtes la bienvenue. Feel accepted. Sentez-vous accepté. And God is going to bless you. Et Dieu vous bénira. Let me pray. Prions. Father, in the name of Jesus Christ, Père, au nom de Jésus-Christ, we come to you with thanksgiving. Nous venons à toi avec action de grâce. Because of your faithfulness, à cause de ta fidélité, your love, tu es amour, your provision, merci pour ta providence, your protection, ta protection throughout the week, à travers la semaine, since last time we met, depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, you have been gracious to every one of us. Tu nous as fait grâce, Seigneur, together with our family members. Et nous tous et les membres de nos familles, we come to you, nous venons à toi, again this time, une fois de plus en ce moment, knowing you want to bless us, sachant que tu veux nous bénir, we surrender our lives to you, nous t'offrons nos vies, our humble prayer, notre prière, notre humble prière, is that you'll be with us, et que tu puisses être avec nous, you'll help us by your spirit, que tu nous aides par ton esprit, in all that we'll do, dans tout ce que nous allons faire, we don't want to use our own strength or wisdom, nous ne voulons pas faire usage de notre propre force ou de notre propre sagesse, but we want the spirit of God to help us, mais nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous aider. Be with us, sois avec nous, unite us, que tu puisses nous unir, wherever we have gathered, de partout où nous nous sommes réunis ou de partout où nous suivons, to be one in the spirit, pour que nous puissions faire un seul homme en esprit, and help us to be concentrative, et aide-nous à pouvoir nous concentrer up to the end, jusqu'à la fin, to the honor and glory of your name, pour l'honneur et la gloire de ton nom. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Can we say amen? Disons amen. I hope you have been well. J'espère que vous allez bien. Since last Sunday. Depuis le dimanche passé. And now also God has invited all of us. Et que maintenant Dieu nous a tous invités. Again in this service. Une fois de plus en ces lieux. So we thank God for that. Et donc nous remercions le Seigneur pour cela. And we want to begin. Et nous voulons débuter. As we read the word of God. En lisant la parole de Dieu. God will speak to us. Dieu va parler à chacun de nous. And help us to prepare well. Et nous aidera à pouvoir nous préparer comme il faut. Let us all together go to the word of God. Lisons tous la parole de Dieu. In the book of Matthew chapter 19. Dans le livre de Matthieu chapitre 19. From verse 27. À partir du verset 27. To 29. Jusqu'au verset 29. Let us read all together. Lisons tous ensemble. Verse 27. Verset 27. Then Peter answered and said to him, "See, we have left all and followed you. Therefore, what shall we have?" Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?» Verse 28. So Jesus said to them, « Assuredly, I say to you that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of his glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Verse 29, « And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive a hundredfold and inherit eternal life. » Et quiconque aura quitté à cause de mon nom
ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Verse 30, but many who are first will be last, and the last will be first. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Let us go also to Matthew chapter 22, verse 34 to 40. Allons dans Matthieu chapitre 22, nous lisons à partir du verset 32 jusqu'au verset 40. Verse 34. Verset 34. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Verse 35. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Verse 36, teacher, which is the greatest commandment in the law? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verse 37, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verse 38, this is the first and great commandment. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Verse 39, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Et verset 39, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verse 40, on these two commandments hang all the law and the prophets. De ces deux commandements, toute la loi dépendent toute la loi et les prophètes. So, brethren, this is a word of encouragement. Et donc, chers frères et sœurs, celle-ci est une parole d'encouragement. As we prepare our lives this time. Pendant que nous préparons nos vies. We know Jesus is faithful. Nous savons que Jésus est fidèle. To his word. Il est fidèle à sa parole. And there is a cost in following Jesus. Et il y a un prix à payer en suivant Jésus. Sometimes we face challenges. Parfois, nous traversons plusieurs défis. Oppression. Des oppressions. And we sometimes lose hope. Et il y a parfois, nous perdons espoir. Well, like these disciples. Comme ces disciples. But Jesus is encouraging us. Mais Jésus nous encourage. That we have a blessing. Que nous avons une bénédiction. In this age. Dans cet âge. And in the age to come. Et dans l'âge à venir. Also, he's saying. Il dit aussi. We love him. Que nous l'aimons. Wholeheartedly. De tous nos cœurs. And we love one another. Et nous aimons les uns les autres. We want to go before the Lord. Nous voulons aller devant le Seigneur. God to help us. Que Dieu puisse nous aider. Where we have deviated our ways. Là où nous avons dévié. Because of what is happening in our lives. De se voir à cause de ce qui nous arrive. The hardships of every day. Et les difficultés que nous traversons au quotidien. And we behaved in a way that is not right. Et nous comportons ainsi de manière qui n'est pas juste. Even our love towards God. God became cold. Et même notre amour pour Dieu a été refroidi. And to one another became also cold. Et même l'amour du prochain s'est refroidi. It is time to ask for mercy. Le moment est venu de pouvoir nous repentir. And God is going to help us. Et Dieu va bien nous aider. Let us go before the Lord. Allons devant le Seigneur. To ask God to forgive us. Implorons son pardon. For every sin. Qu'il nous pardonne de tous nos péchés. As regards his commandments. Comme cela est écrit dans ses commandements. Father, we come to you. Père, nous venons à toi. Acknowledging this word is speaking to us. Nous reconnaissons que cette parole nous parle. Individually and corporately. De manière individuelle et même en tant qu'église. We know we have been following you. Nous savons que nous te suivons.
And maybe the challenges of life et que les défis de cette vie have caused us to have many questions. Nous poussent à nous poser beaucoup de questions. And those questions have led us to sin. Et ces questions nous poussent au péché. We repent for every murmury. Seigneur, nous confessons toutes sortes de murmures. In this journey, dans notre parcours, every doubt, et tout doute, every unbelief, l'incrédulité. Forgive us, Lord. Pardonne-nous, Seigneur. Individually and corporately. Et individuellement et comme église. Because of this doubt, à cause de ce doute, and unbelief, et de ce manque de croyance, our love, et notre amour, towards you, envers toi, became cold, s'est refroidi, our zeal, notre zèle, was destroyed, a été détruit. We repent, Lord. Seigneur, nous nous repentons. Even the love for one another. Même l'amour du prochain. In our families. Dans nos familles. In the church. Dans l'église. Wherever we are. Partout où nous sommes. It has become cold. Et s'est refroidi. We come to you. Nous venons à toi. In a humble attitude. Avec humilité. Asking you to forgive us. Nous te prions de nous pardonner. And help us, Lord. Et aide-nous, Seigneur. Because you are promising. Car tu promets. A special blessing. Une bénédiction spéciale in this age, dans cet âge and in the age to come. Et dans l'âge à venir. Help us, Lord. Aide-nous, ô Seigneur. Forgive everyone of us. Pardonne chacun de nous and let the blood of Jesus et que le sang de Jésus do a thorough cleansing puisse agir puissamment in, pour nous sanctifier, in our lives, sanctifier nos vies in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. We take this time again, nous voulons profiter de ce moment to submit our thoughts, pour pouvoir soumettre nos pensées, our mind, nos pensées, our affections and emotions, nos sentiments et nos affections, and feelings, et même sentiments, and will, et même volonté. Totally under the supervision. Nous voulons les soumettre sous la supervision of the Holy Spirit. Du Saint-Esprit. Holy Spirit. Saint-Esprit. Help us. Aide-nous. To love. À aimer. The Lord Jesus. Le Seigneur Jésus. Wholeheartedly. De manière de tous nos cœurs. And to love one another. Et de pouvoir nous aimer. Without this commandment, les uns les autres, car sans ce commandement, fulfilling this commandment, sans l'accomplissement de ce commandement, we cannot attain to the blessing of eternal life. Nous ne pouvons pas accéder à la bénédiction de la vie éternelle. Holy Spirit, Saint-Esprit, pour in us love for God, que tu puisses nous donner l'amour pour Dieu, that genuine love, cet amour sincère, and towards one another, cet amour sincère pour chacun de nous. And help us to follow you wholeheartedly. Et aide-nous à pouvoir te suivre de tout cœur. In season and out of season. Que nous puissions le faire pendant des bonnes saisons et même hors saison. In tribulation and in joy. Dans la joie et dans la tribulation. In scarcity and in plenty. Lorsque nous manquons et lorsque nous en avons en abondance. Revive each one of us. Que tu puisses nous ressusciter. Revive our zeal for you. Que tu puisses nous réveiller et même réveiller le zèle que nous avions pour toi. Reign in our lives. Règne dans nos vies. In the name of Jesus. Au nom de Christ. Jésus Christ. We thank you, Lord. Nous te remercions, Seigneur. Because we know. Car nous savons. You have heard our prayers. Que tu viens d'entendre nos prières. And we know. Et nous savons. The Holy Spirit. Que le Saint-Esprit is working mightily. Est en train d'agir puissamment. To revive everyone of us. Pour réviser chacun de nous. Wherever we are. Partout où nous nous sommes réunis. Blessed be your name. Que ton nom soit béni. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. I believe we are happy. Je crois que nous sommes contents. Because God has heard our prayers. Car Dieu a entendu nos prières. And now we are set free. Et nous sommes maintenant libres. Now we want to take this time again. Nous voulons profiter de ce moment aussi. To give praise and worship unto the Most High God. Pour louer et adorer notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Because He demands to be worshipped. Car il oblige que nous puissions le louer. At all times. À tout moment. In all seasons.
seasons. Dans chaque saison. That is his demand. Voilà donc sa demande. We want to fulfill this his demand. Et nous voulons donc répondre à sa demande. Now. Maintenant. In Jesus name. Au nom de Jésus. Therefore I take this time. Voilà donc je prends ce temps. To welcome the praise and worship. Pour pouvoir accueillir l'équipe de louange et d'adoration. Praise and worship, welcome. Équipe de louange et d'adoration, soyez la bienvenue. Sifa, yeye ni Bwana, yeye ni Mungu, anastahili kuabudiwa, na tunamshukuru Mungu, tunalibariki jina lake, asifiwe, atukuzwe, yeye ni Bwana, yeye ni Mungu, tunawakaribisha nyote katika ibada hii ya leo, karibuni sana kwani Mungu anawapenda, Mungu anawajali, na Mungu leo hii ametuleta sote katika uwepo wake, tunamsifu na tunalibariki jina lake, kwa hivyo tuwe na furaha, tunapoingia katika hema yake Mungu, katika milango yake, tufurahie siku hii ya leo, kwani Mungu wetu anastahili sifa. Haleluya. Amen. Haleluya. Come on and dance for Jesus. Amen. Praise the Lord. Tunataka kumsifu Yesu Kristo leo. Haleluya. Sifa na utukufu ni zako, mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, mungu wangu.
Lord, have
river of forgiveness, ever flowing without end. I bow my heart before you in the goodness of your presence. Your grace forever shining like a beacon in the by your mercies, receive us by your love, your never-ending love, O God. Have mercy on us, O God. We bless your name. Hallelujah. Lord, now that we are washed clean, now that you have had mercy on us, O God, we want to bring a sacrifice that is pure, that is righteous, that is holy before you, Lord Jesus. We want to bring that sacrifice, that one that costs us, O God. For David said, how can I give to God that which does not cost me? Regardless of what I'm going through, regardless of what I feel, what I think, I still bring that sacrifice to you, Lord Jesus, that you alone may receive the praise. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana, heshima na wewe.
mtakatifu na kuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Oh, naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Unastahili sifa zote. Kwa sababu twakuletea sadaka zetu za sifa Bwana. Maana wewe pekee wastahili sifa na utukufu. Wastahili kuabudiwa Bwana. Kando yako hakuna Mungu mwingine. Wewe ndio Bwana. Wewe ni Mungu. Wewe ni shujaa wa vita. Wewe ni Bwana. Anayetosheleza mahitaji yetu yote. Bwana pokea utukufu milele na hata milele. Utabaki Mungu. Haubadiliki kamwe. Ahadi zako ni ndio na amina. Kila siku twakuimbia. Haleluya. Bwana wewe ni Mungu. Unastahili. Heshima na mamlaka zipoke. Mtakatifu, mtakatifu, na kuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu.
tunakusifu Bwana. Pokea sifa na mamlaka ni zako milele. Wewe ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Tunakuabudu Bwana. Tunakusifu Mfalme. Hatuna mwingine kama wewe. Unabaki kwa mtakatifu. Unabaki katika kiti chako cha enzi. Unaendelea kwa mtakatifu. Majina haikubadilishi. Hali haikubadilishi. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. I believe it has been wonderful. Je crois que cela a été merveilleux. As we are giving praise and worship unto the Most High God. Alors que nous rendons gloire et louange au Dieu Tout-Puissant. Having obeyed His law. Ayant obéi sa loi. To give praise and worship to Him. Pour pouvoir lui rendre gloire et honneur. Already we are a blessed people. Nous sommes déjà un peuple béni. Can we say we are a blessed people? Puissions-nous confesser que nous sommes un peuple béni? So on the basis of that word. Et sur base de cette parole. God also wants to deposit another level of blessing. Dieu veut aussi déposer sa bénédiction dans nos cœurs. Since we obeyed the word of God to worship Him, et puisque nous avons obéi à sa parole, à son commandement de pouvoir le louer, also He Himself, lui aussi, wants to minister to you and me. Veut parler à vous et à moi. Through His infallible word, à travers sa parole infaillible, the ancient word, cette parole ancienne. Let me pray. Prions. Father, in the name of Jesus Christ, Père, au nom de Jésus Christ, I thank you. Je te remercie that you have been faithful in this meeting, pour ta fidélité dans cette réunion, since we started, depuis que nous avons commencé, and now we are reaching the climax, et voilà que nous arrivons maintenant à l'apogée, to hear the infallible word, où nous voulons entendre la parole infaillible, the true word that brings freedom, la vraie parole qui nous libère, into our lives, qui nous a franchi, into our families, et qui a franchi les membres de nos familles. The word that tackles every situation. La parole de Dieu qui bouge toute situation. And that's why we pray for your servant. Voilà pourquoi nous prions pour ton serviteur. Anoint him. Que tu puisses le oindre. Because through him, car à travers de lui, your word will come out. Ta parole va pouvoir nous arriver. We want that word to come with power and strength. Nous voulons que cette parole puisse nous parvenir avec puissance. To effect your will, pour accomplir ta volonté, upon every one of us, dans chacun de nous. We pray, Lord, nous prions au Seigneur, for the interpreter, pour l'interprète. Thank you for the many nations, merci pour les nombreuses nations, many languages, et les plusieurs langues. Especially the French-speaking people. Et surtout les peuples francophones. Help him to interpret well. Aide-les à pouvoir bien interpréter. Even we know. Nous savons également there are others qu'il y a d'autres
who neither understand English or French, qui ne comprennent ni le français ou ni l'anglais, but still we believe, mais nous croyons fermement, Holy Spirit, que toi, le Saint-Esprit, you will help them wherever they are. Tu es capable de les aider partout où ils se retrouvent. So, let your name be glorified. Que ton nom donc soit glorifié. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. It is my time now. Voilà donc, c'est le temps maintenant. To welcome the minister of the word. De pouvoir accueillir le serviteur de Dieu. Presbyter Papa Dikanyakina. Le presbytère Papa Dikanyakina. And his interpreter. Et son interprète. Pastor Didi Dikanyakina. Le pasteur Didi Dikanyakina. Welcome. Soyez les bienvenus. Thank you, man of God, Pastor Japhet Oyoko. Merci beaucoup, homme de Dieu, Pasteur Japhet Oyoko. For this invitation. Pour cette invitation. I'm grateful to come and stand before this congregation. J'ai le plaisir de pouvoir me tenir devant cette assemblée. We will continue with our theme of eternal life. Nous allons pouvoir évoluer avec notre thème de la vie éternelle. It is so important that we need to spend more time. Il est très important et cela demande à ce que nous puissions prendre du temps. Because any other thing that we do in the church, car tout ce que nous faisons, toute autre chose que nous faisons à l'église, will have no meaning if we don't know how to acquire and keep the eternal life. Rien de ce que nous faisons dans l'église ne pourra avoir de la valeur si cela ne nous amène pas à la vie éternelle ou si cela ne nous mène pas à la vie éternelle. And it is so important. Et cela est très important that we should spend more time. Et cela demande à ce que nous puissions passer beaucoup de temps in meditating upon the scriptures, en méditant la parole de Dieu concerning the eternal life. Concernant la vie éternelle. Let us read one scripture before we go to many of them. John chapter 5, verse 24. Dans Jean chapitre 5, verset 24. John 5, Jean chapitre 5, verse 24, verset 24. I'm reading from New King James Version. Je lis la version ou la traduction du roi Jacques. Let us start from verse 22, where we read this. Commençons notre lecture au verset 22. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. 23. That all should honor the Son, just as we honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has eternal life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Now, this scripture is very strong. Voilà, cette écriture ou ce passage est très puissant. It is linking eternal life with judgment. C'est un passage qui lie la vie éternelle au jugement. It is also linking the life eternal with death.
Cela lie aussi la vie éternelle à la mort. So it is very important. Il est donc important. It is not just by chance. Ce n'est pas au hasard ou par hasard. This word that Jesus spoke concerning the eternal life is so important that we need to meditate it seriously. Ce que Jésus-Christ a dit ici est très important et nous devons méditer là-dessus sérieusement. Number one, premièrement, we have to know. Nous devons savoir that God has given all the prerogative to his son who will be the one to judge the whole world. Que Dieu a donné la responsabilité de juger le monde entier à son fils. So the whole world will appear before the throne of judgment of Christ. Et donc c'est tout le monde qui se mettra ou qui va paraître devant le trône de jugement de Christ. And what will be the criteria? Et quel sera le critère? He says it is eternal life. C'est la vie éternelle. He who has the eternal life, que celui qui a la vie éternelle, will not be condemned. Ne sera point condamné. Number two, ou jugé. Deuxièmement, he will not be judged, will not be condemned. Il ne sera pas jugé, il ne sera pas condamné. And secondly, et deuxièmement, he will not die. Il ne mourra point. What death? What kind of death they are talking about here? Alors, de quelle mort parlons-nous ici? It is about the separation of the man inside us from God. C'est la séparation de notre homme ou de l'homme intérieur qui se sépare des dieux. It is not the separation of the man inside us from this physical body in which he is living. Il ne s'agit pas de la séparation de l'homme intérieur de l'homme physique ou du corps qui porte l'homme intérieur. Because we need to distinguish. Car il nous faut distinguer these two important types of death. Ces deux types de mort. Again, I repeat it. J'aimerais le redire. Because even the apostle Jude was saying that I'm just reminding you because through repetition, reminding is very helpful. Et voilà donc j'aimerais vous le dire encore ou répéter ce que j'ai déjà dit. L'apôtre Jude le disait aussi et j'aimerais que en répétant que nous puissions vraiment bien comprendre ce concept. When we take a human being. Lorsque nous prenons un homme ou un humain, un être humain, the true being of the man, le vrai homme ou le vrai être, is the man inside his physical body. C'est l'homme intérieur ou celui qui vit à l'intérieur du corps. And is of spirit nature. Et cet homme est esprit ou est de nature spirituelle. Because all the doctors, medical doctors, the best surgeons in this world, they can do all the surgery in a human being. They will never see the man inside. Car nous pouvons faire, ou les docteurs, ou tous ceux qui sont expérimentés, même dans la chirurgie naturelle, ou même scientifique, ne peuvent atteindre l'esprit, ils ne peuvent atteindre que le corps physique. Because the man inside is of spirit nature. Car l'homme intérieur est de nature spirituelle. It cannot be apprehended physically. Il ne peut pas donc être touché physiquement. But is a reality. Mais il est une réalité. I who is speaking to you, I am the spirit speaking to you from my physical body. Moi qui vous parle, c'est moi, mon esprit, qui vous parle à partir de mon corps physique. Now, this spirit being inside. Et donc cet esprit ou cet être spirituel au dedans du corps. Called the inner man or man in the inward man or man inside your body. Appelé l'homme intérieur ou l'homme de l'intérieur. He is a reality. Et donc une réalité. Is the true
me. C'est donc le vrai moi. The physical body is a garment that is given to my man inside me so that he can be able to live here on the physical realm. Et donc le corps est alloué donc à mon esprit, ou mon corps est alloué à mon esprit pour permettre à mon esprit de pouvoir vivre dans ce realm ou dans ce monde et expérimenter cette vie physique. Now, we will learn more about this man inside us. Nous allons donc apprendre beaucoup concernant cet homme spirituel en nous. I want just to refer for those who are hearing this thing for the first time to go to the YouTube and to our topic that we are developing with the Pastor Japhet Oyoko concerning who are you, wewe ni nani, qui es-tu? J'aimerais que pour plus de compréhension que nous puissions aller et sur YouTube et suivre l'enseignement ou les enseignements que nous avons préparés avec le pasteur Oyoko sur qui es-tu. There you will understand much better because it is a progressive teaching. Et là vous allez mieux comprendre car ce sont des enseignements progressifs. We have been talking a lot about the man inside us. Nous avons parlé largement et nous parlons, nous continuons à parler de l'homme à l'intérieur ou l'homme de l'intérieur. And this man inside us is a unit. Et cet homme à l'intérieur de nous est une unité. But it has two aspects. Mais une unité qui porte deux éléments. The first aspect is called the soul, dont le premier est l'âme, which is the medium or the place where the expression of the personality, of my personality, your personality, is taking place. Et c'est l'expression ou c'est la place où l'expression de notre âme, de notre personnalité se fait. But then the second part of this man inside is called human spirit or the spirit of a man. Le deuxième élément de cet homme de l'intérieur, c'est l'esprit ou l'homme esprit. So both of them, you cannot see them. Et les deux, vous ne pouvez les voir, vous ne pouvez pas le voir. First of all, they are not disjoint, they are always in unit. Et sachez que ces deux marchent comme un seul ou une seule unité, ils ne sont jamais divisés. Now, ou séparés. This man inside, et donc cet body, homme qui vit à l'intérieur du corps physique is connected to the physical body, est lié au corps physique and all the exchange takes place through what is called the silver cord. Et est lié au corps physique et tout échange qui se fait entre ces deux unités se fait à travers le cordon d'argent. The word silver cord, you can find it in Ecclesiastes chapter 12. Et ce terme de cordon d'argent, vous pouvez le trouver dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 12. There are also many other places where it is talked, but in a very figurative manner. Et il y a d'autres endroits dans la Bible où l'on en parle, mais de manière figurée. So, to allow man inside us to live in this physical realm and be in touch with this physical realm, the body was given to him. Et donc, pour pouvoir expérimenter ce monde ou expérimenter la vie physique, donc on l'on a doté à l'homme intérieur ou à l'homme esprit le corps physique pour lui permettre de vivre dans ce realm physique. And that life of the physical body, when is joined to the man inside, it is ensured by this silver cord. Et donc, pour permettre à cette vie ou à cette existence de pouvoir évoluer, donc la capacité est donnée au corps de l'homme pour pouvoir vivre cette vie.
the silver cord is the one that shared the life. Le cordon donc le cordon d'argent est donc l'élément qui lie les deux et qui facilite les échanges entre les deux parties. Now, by nature, par nature, when the physical body is separated from the inward man, lorsque le corps physique est séparé de l'homme intérieur, by the breaking of that silver cord, par le brisement de ce cordon d'argent, the physical body cease to live and cease to live and later on will decay. Le corps physique ne va plus vivre ou va meurt et va à la décomposition ou à la désintégration. All is five senses cease to work. Tous les cinq sens de ce corps ne marchent plus ou ne fonctionnent plus. But the man inside, the inward man. Mais l'homme intérieur ou l'homme de l'intérieur. Number one. Premièrement, does not cease to exist after that separation. Ne cesse d'exister après cette séparation. Is as alive as we can talk now. Et donc il vit et il est aussi vivant que comme nous vous nous voyez maintenant. Is the five senses. Et ces cinq sens by which he was expressing himself in this physical realm. Par lesquels il s'exprimait dans ce monde physique ou dans ce realm physique. In conjunction or contact with the five senses of the physical body. Lorsqu'il fut en contact avec les cinq sens du corps physique. Those senses are alive in this man inside us. Ces cinq sens sont toujours opérationnels dans cet homme spirituel. So, for your guidance, if you want to study more, go and read what Jesus said about the rich man and Lazarus in the book of Luke chapter 16. Et donc, pour plus de compréhension sur ce que nous sommes en train de dire, allez lire dans Luc chapitre 16, où vous allez trouver le récit qui parle de l'homme riche et de Lazare. You will see that the five senses of the rich man dead, his body is in the grave, buried, but his inner man is in the spirit realm, in the part called hell. Et vous verrez que cet homme a ses sens, l'homme riche, donc a ses sens qui fonctionnent très bien, mais il se retrouve à l'enfer ou dans l'enfer. He's speaking. Il parle, but nobody can understand him in this physical realm. Mais personne dans ce monde physique ou dans ce realm physique ne peut le comprendre. But in the spirit realm, mais dans le monde spirituel, all those who are there, tous ceux qui y sont, they can communicate with him. Peuvent communiquer ou peuvent lui parler ou peuvent communiquer avec lui. That is how he could communicate with the father Abraham who died many centuries before Jesus Christ was. Voilà pourquoi il était capable de parler à Abraham qui est mort plusieurs siècles avant Jésus. So the inner man of Abraham, et donc l'homme intérieur d'Abraham, was alive, était vivant, existing, et existant. And the inner man of this sinner person is also existing. Et l'âme de cet homme pécheur aussi existait. But they are in two different locations in the spirit realm. Mais les deux vivaient dans deux places ou dans deux réalités différentes dans le monde spirituel. But because they are in the spirit realm, mais puisqu'ils sont dans le monde spirituel, they can communicate. Ils peuvent se parler, ils peuvent se communiquer. Like in the physical realm. C'est de même dans somebody, le realm physique. Somebody can be here in Africa.
Quelqu'un peut être en Afrique. Another one can be in America. Et l'autre en Amérique. But they can communicate. Mais les deux sont, peuvent se parler. Through many means. À travers plusieurs plateformes, le téléphone et autres outils, so à travers les lettres, so etc. It is in the spiritual realm. Il en est de même dans le monde spirituel. They don't need a telephone. Ils n'ont pas besoin de téléphone. They can just talk. Ils peuvent parler. There are some dimension they have. Il y a une certaine dimension qu'ils possèdent. They can talk there. Qui leur permettent de parler. But you will discover. Mais vous allez découvrir that they are not able to talk to the people who are in the world of the living. Qu'ils sont incapables de communiquer aux vivants, c'est-à-dire ceux qui sont dans le monde physique. That is why. Voilà pourquoi. The rich man was asking, begging Father Abraham. L'homme riche demandait à Abraham ou implorait Abraham to send back Lazarus. D'envoyer Lazare. De renvoyer Lazare in the world of the living, dans le monde des vivants, so that he can warn his brothers and sisters whom he left here to not to follow his ways of living. Pour avertir ses frères qu'il a laissés et qu'ils ne puissent pas suivre la voie que cet homme riche a suivie. Because if he was able to communicate directly to his brothers, he could not have time to talk to Abraham. Car s'il était capable de communiquer directement à ses frères, il ne pouvait pas passer ou faire cette demande à Abraham. So we need to understand all that. Nous devons donc comprendre cela. As you scrutinize, you read in between the line all that and meditate upon it, you discover that the five senses of that man, they are still alive and very awake. Et lorsque vous lisez cela, vous comprendrez que les cinq sens de cet homme sont bien en vie ou fonctionnent très bien et dans ce monde-là. He was thirsty. Il avait soif. That is the sense of what? Cela, c'est le sens de quoi? Of taste. Le sens du goût. And he was feeling heat. Et il sentait de la chaleur. So the feeling. Et donc the il touch. Avait des sensations où la toucher. Uh-huh. And he could talk. Et il pouvait parler. And that is the power of speaking, la, speech. Le discours, donc là nous voyons le parler ou le pouvoir de parler. And he could hear Father Abraham talking. Il pouvait entendre le Père Abraham lui parler. So the hearing. Et donc il avait l'écoute. He could see Lazarus in the bosom of Abraham. Il pouvait, so his sight was there. Il pouvait voir Lazare dans chez le père Abraham ou qui se mettait sur au sein d'Abraham, donc il pouvait voir ou il avait le sens de la vue. So and his memory was functioning. Et sa mémoire aussi fonctionnait bien. He knew that he had five brothers. Il savait qu'il avait cinq frères. In the world of the living. Dans le monde des vivants. And he had a compassion for them. Il avait une grande compassion pour eux. He didn't want them to follow his example. Il ne voulait pas que ceux-là puissent suivre son exemple. So this is to demonstrate to us. Et donc ceci est là pour nous démontrer. That the man inside us does not cease to exist when there is a physical death. Que l'homme à l'intérieur ne meurt pas ou ne plutôt ne cesse pas d'exister même lorsque le corps physique n'existe plus. Whether he's a sinner or whether he's a saved, a saint. Et qu'il soit saint ou qu'il soit pécheur. So this is very important. It is established white and black in that text. C'est donc cela est très est explicité, bien explicité dans ce texte. Donc cela est bien écrit en noir et blanc. And you can see many other scriptures that are supporting all that. Et vous pouvez voir plusieurs d'autres écritures qui soutiennent cela ou cette thèse. So, but, the importance of the eternal life is what? Mais quelle est l'importance donc de la vie éternelle? It is the one that will determine whether you will go to hell or you will go where God is. C'est elle qui détermine si nous allons au ciel ou nous allons en enfer. Immediately when you leave this physical realm. Et cela arrive immédiatement après que nous quittons ce monde. So your destination
in the spirit realm will be determined by whether you have the spirit, the eternal life or not. Et voilà donc que ton destin ou ta destinée éternelle sera déterminée par là où tu iras après ta mort, c'est-à-dire lorsque tu vis sur terre, ta destinée et se prépare. When now we come back to this scripture that we are reading, John chapter 5. Et lorsque nous revenons à ce passage que nous lisons dans Jean chapitre 5, in verse 24, au verset 24, he's saying, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has eternal life and shall not come into judgment. So, what judgment is he talking about? En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et je ne viens point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Okay, let me briefly talk to you about this judgment because it is so important. Laissez-moi donc vous parler de ce jugement car il est très important. When the time will be fulfilled. Lorsque le temps sera accompli. The dead and the living shall be judged. Les morts et les vivants seront jugés by Christ. Par Christ. Now, if somebody died physically and he had eternal life, si donc quelqu'un mourait physiquement et avait donc la vie éternelle, when he lived here on earth, lorsqu'il fut sur terre, he believed in Jesus through the word of God. Et donc à travers la parole de Dieu, il a cru en Jésus. So he has the eternal life. Il a donc la vie éternelle. The first thing when he leaves this body, la première de choses qui arrive est que lorsqu'il quitte ce corps, whether by physical death, que cela soit par la mort physique, whether by rapture, ou par l'enlèvement, this person, cette personne, will go straight where paradise is. Ira là où le paradis est. Let us talk first of all for those who die now, those who have eternal life who die now. Parlons de ceux-là qui meurent maintenant, ayant la vie éternelle. When they die physically, lorsqu'ils meurent physiquement, their inner man is existing, leur homme intérieur existe. It goes to paradise. Et cet homme intérieur va au paradis. Where Jesus is. Là où est Jésus and God. Et Dieu. You can find that in 2 Corinthians chapter 12. Vous trouverez cela dans 2 Corinthiens chapitre 12. You can read from verse 1 to 4. Vous pouvez lire à partir du verset premier jusqu'au verset 4. And you will see the testimony of Apostle Paul himself, how he was taken to heaven and how he went to that place called paradise. Vous verrez le témoignage de l'apôtre Paul qui a lui-même été enlevé et est allé au paradis. Now, this spirit, cet esprit, that is now in paradise, qui est maintenant au paradis, on the day of rapture, le jour de l'enlèvement, because he has eternal life, puisqu'il a la vie éternelle, and he left his physical body here on earth, et a laissé son corps physique ici sur terre, he will come back. Il va revenir. That is what the Bible tells us. Voilà donc ce que la Bible nous dit. There will be resurrection of those who died in Christ. Il y aura résurrection de ceux qui sont morts en Christ. That means those who have eternal life. Cela veut dire ceux qui ont la vie éternelle. And their bodies will be changed. Et leurs corps seront transformés. Including the Christians who are living by that time.
et y compris les chrétiens qui vivent dans ce temps-là, who had the eternal life. Qui avaient donc la vie éternelle. Together they will be raptured. Ensemble, ils seront enlevés. And to stay with Christ wherever Christ will be. Pour être avec Christ partout où il sera. So you see, this person is not affected by any judgment. Vous voyez donc, cet homme n'est pas affecté par un jugement quelconque. After a while in heaven, après avoir passé quelque temps au ciel, the scripture tells us that the Christ will come back now here on earth in a visible way. Les Écritures nous disent que Christ reviendra de manière visible and will be sur terre. Coming with those ones who had eternal life, who has been raptured, or who died and rose from the dead and raptured. Et il viendra avec tous ceux qui ont été enlevés, c'est-à-dire ceux qui ont été enlevés et ceux qui ont été ceux qui étaient ressuscités de mort pour l'enlèvement. And they will live here on this earth for 1,000 years. Ils vivront sur cette terre pendant 1,000 ans. While if a person, no, let me take it up to the last judgment. Now after the, oh yes, please. Et j'aimerais parler même jusqu'au jugement dernier. After the 1,000 years of the rule of Christ here on earth. Après ce règne millénaire de Christ sur terre. Events will happen. Il y aura des événements. And that events will inaugurate the judgment, the final judgment. Et ces événements vont conduire au jugement final ou au dernier jugement. And in that last judgment, et pendant ce jugement dernier, those who died in Christ Jesus, ceux qui sont morts en Christ, and resurrected during the rapture, et qui sont ressuscités pendant l'enlèvement, and live with Christ here for 1,000 years. Et qui ont vécu ici avec Christ pendant 1,000 ans. They will not be subject to judgment. Ils ne seront pas soumis au jugement. Because they have eternal life. Puisqu'ils ont la vie éternelle. I will demonstrate this to you very now with a very vivid scripture. Je veux vous le démontrer à travers les Écritures. So, you see, the fact that you have eternal life. Voyez le fait d'avoir la vie éternelle. You have your ticket to go to heaven. C'est votre ticket pour aller au ciel. Paradise. Au paradis. To wait for a while. Pour attendre pendant un temps. And then you have the visa for rapture. Et vous avez également le visa pour l'enlèvement. And after that, et après cela, you are united to the Christ. Vous êtes unis à Christ. In a very strong covenant. Dans une union ou dans une alliance, une forte alliance. So you come with him and rule with him here on earth. Et donc vous allez revenir avec Christ et dominer ou régner sur la terre avec lui. And when Christ is judging, you will be judging with Christ. Et lorsque Christ va juger, vous allez juger avec lui. So you are not subject to be judged, but you are even judging others. Et donc vous n'êtes pas sujet au jugement, mais vous jugez les autres. Because it is written that don't you know that you will judge the ungodly? Car il est écrit, ne savez-vous pas que vous allez juger les méchants ou ceux qui n'ont pas la vie éternelle? Paul speaking to the Corinthians. Paul était en train de parler aux Corinthiens. And he tells them also that, don't you know that you shall judge even angels? Il leur disait aussi, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? That means the fallen angels. Cela veut dire les anges déchus. So we are not those who have the eternal life will not be subject to be judged, but they will be even participating in judging with Christ, all those who have no eternal life. Et donc ceux qui sont en Christ ou ceux qui ont la vie éternelle vont juger donc ceux qui n'ont pas la vie éternelle ou ceux qui ne sont pas en Christ. Now, somebody
did not acquire the eternal life when he was living here on earth. Donc, si quelqu'un pendant sa vie sur terre n'a pas trouvé la vie éternelle ou n'a pas acquis la vie éternelle, he dies. Et meurt, what will happen? Que va-t-il arriver? His body is in the grave. Son corps sera enseveli. But as I said before, mais comme je l'ai dit auparavant, his man inside is alive. L'homme intérieur sera vivant ou l'homme intérieur vivra. And does not cease to exist. Et cet homme ne meurt pas ou dont l'existence n'a pas de fin. So, but he will not go to paradise. Mais il n'ira pas au paradis. He will go to hell. Il ira en enfer. And hell is not the final destination for him. Et l'enfer n'est pas sa destination ou son destin final. It is a waiting room. Ce n'est qu'une salle d'attente ou un lieu d'attente. Because they will be subject to the final a destination which is the lake of fire after they have been judged. Car ils seront maintenant livrés ou menés à l'endroit final après leur jugement. And when this judgment will take place? Et quand est-ce que ce jugement prendra-t-il place? After the millennium rule. C'est après of Christ. Le règne millénaire de Christ. The judgment of the people. Le jugement not have the, eternal life. De ceux qui n'ont pas la vie éternelle. What will happen? Qu'est-ce qui va arriver? Those who died, ceux qui sont morts without having the eternal life, sans la vie éternelle, they will resurrect, vont ressusciter in that time. En ce temps-là. All of them. Tous. We are going to read the scripture for that. Nous allons lire également les Écritures. And then, et après cela, what will happen? Que va-t-il arriver? They will be all condemned. Ils seront tous condamnés. Because anything they have been doing, parce que tout ce qu'ils ont fait has been recorded, a été enregistré in different types of books, dans les différents livres, words, les paroles, actions, les actes, and anything they were doing which is evil. Tout ce qu'ils ont fait de mal ou tout ce qu'ils ont fait comme méchanceté. Those books will be read. Ces livres-là seront lus. And out of those evidence, they will be condemned. Et assortis de cette évidence, ils seront donc condamnés. And their final destination will be to be thrown all in the lake of fire. Et donc leur destin final sera d'être jeté dans les temps de feu. Now that is the event that is showing us how important eternal life is. Et ces événements nous démontrent combien important la vie éternelle est. Let us read that in the book of Revelation chapter 20. Lisons cela dans les livres d'Apocalypse chapitre 20. We are going to read from verse 11. Nous allons lire à partir du verset 11 to 15. Jusqu'au verset 15. Let me just read from 12. You can read at home. 12 is important for us up to 15. J'aimerais lire à partir du verset 12. Vous pouvez lire le verset 11 à partir du verset 11 pendant votre temps libre. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books, you see, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. La Bible dit, et je... And, let me finish this 12. And the dead were judged, so the dead who came to life were judged according to their works by the things which were written in the books.
Et le verset 12 dit ceci, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » So, this is very, very important for us. Ceci est très important pour nous. So there will be a judgment of those people. Il y aura donc un jugement de tous ces gens-là. And their judgment will not be subjective. Et donc leur jugement ne sera pas un jugement subjectif. But it will be founded on the facts that are recorded in those books. Mais c'est un jugement qui se fera sur base de ce qui sera écrit dans ces livres-là. Verse 13. Verset 13. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. So all those who left their body in one way or another, whatever, all of them in their inner man, they will be resurrected, they will come back to life with their physical body together with them, and then they will be judged on the account of what is written in the books that were recording their acts. Et même tous ceux qui furent dans le séjour de mort, ceux qui sont morts et qui se sont retrouvés dans le séjour de mort seront donc jugés. Tous seront donc tous jugés selon leurs œuvres. Now listen, what is very important now for the eternal life. Écoutez, ceci est très important concernant la vie éternelle. Verse 15. Verset 15. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. What is this book of life? C'est quoi cette vie, ce livre de vie? Why is it called book of life? Pourquoi on l'appelle le livre de vie? It is easy to understand. C'est facile à comprendre. Because it is concerning people who have the eternal life. Car cela concerne ceux qui ont la vie éternelle. Let us go to the word of God that we read in Luke chapter 10. Allons dans Luc chapitre 10. And let us read. Et lisons. The account of the disciples of Jesus who were sent by Jesus to go and preach the gospel, take people to the kingdom of God by them believing in Christ and receiving Christ as Lord and Savior and so on, and healing those who are sick and delivering those who are possessed. So after they have done all that, they came back and they were giving the report to Jesus. Et voilà, nous allons voir comment le conte plutôt qui nous parle des disciples de Christ qui ont été envoyés en mission pour aller évangéliser et gagner les âmes, mais aussi chasser les démons et faire des miracles. Et ce que Jésus-Christ leur a dit à la fin de leur mission. Verse 17 says, Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even demons are subject to us in your name. Verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur,
Les démons même nous sont soumis en ton nom. Ok. Let us go to immediately to verse 20. Allons donc au verset 20. Now here, verse. Okay, let me just read there from 18 to 20. 18 says, and Jesus said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. So, in other words, what they were doing, what they went to experience when they were preaching the gospel of the kingdom. Et voilà donc, cela veut dire en d'autres termes, ce qu'ils ont expérimenté lorsqu'ils sont allés faire le ministère. And healing the sick. Ils ont guéri les malades. And casting out demons. Ils ont chassé les démons. They did all that by the power and authority given to them by the Lord Jesus. Ils ont fait tout cela par la puissance et l'autorité que Christ leur avait donné. So, Jesus was telling them that your joy should not be so much in what you have experienced. Et donc Jésus leur disait que votre joie ne devrait pas s'exprimer sur base de ce que vous avez expérimenté dans votre mission. But verse 20, nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Verset 20 dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. The names are written in heaven must be written in a book. Les noms écrits dans les cieux doivent être écrits dans un livre. And it is in that book that we read the book of life. Et c'est dans ce livre-là que nous avons bien lu le livre de vie. Because that book of life, car ce livre de vie, when we read it in Revelation, lorsque nous l'avons lu dans Apocalypse, it said, a dit, anybody, toute personne, whose name, dont le nom was not in that book of life, ne fut pas trouvé dans ou ne fut trouvé dans les livres dans ce livre-là, they were condemned and thrown to the lake of fire, ont été jetés dans le temps de feu. And then what about those whose the names are in the book of life? Et donc qu'en est-il de ceux-là ou que sera-t-il de ceux-là qui dont leurs noms seront trouvés dans les livres de vie? We told you about it already. Nous vous avons déjà parlé au sujet de ces gens-là. In the millennium they were ruling with Christ. Que dans le règne millénaire de Christ, ils régnaient avec lui. And after that great judgment. Et qu'après ce grand jugement, they will be allowed to enter the eternal new world. Ils vont donc entrer dans le monde éternel ou dans ce monde nouveau ou dans ce nouveau monde éternel, which is called the New Jerusalem, qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. So they will never be subject to any judgment. Et donc ils ne seront donc pas assujettis à un quelconque jugement. So you can see now why the eternal life is so important. Et voyez maintenant pourquoi la vie éternelle est très importante. So without the life eternal. Et donc sans la vie éternelle, your name is not written in the book of life. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de Christ. And when your name is not written there,
Et si votre nom n'est pas écrit là-bas, you are miserable. Vous êtes misérable. So, Revelation chapter 21. Et donc Apocalypse chapitre 21, verse 27. Verset 27 says, dit ceci. Speaking and talking about the New Jerusalem. Nous parle de la nouvelle Jérusalem. The new world that is coming. Le monde nouveau qui vient. Let us start reading from verse 22. Commençons la lecture au verset 22. But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. 23. The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. 24. And the nations of those who are saved shall walk in it, in its light. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. And the king of the earth bring their glory and honor into it. Now, what is most important here, verse 24, it says, and the nations of those who are saved. You see? Et ce qui est plus important ici, c'est le verset 24 qui parle des nations, de ceux qui sont sauvés. Verse 25. Its gate shall not be shut at all. By day, there shall be no night there. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. 26. And they shall bring the glory and the honor of the nations into it. Il n'entrera chez elle, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Now, verse 27, listen carefully. But there shall by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. Lamb's book of life. So it is the book of the Lord Jesus Christ, because the people who are in Christ, they have the eternal life. They are the ones' names are in that book of life of Christ. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Now we have read John speaking. Let us read also other people. Let us go to what Paul is saying in Philippians chapter 4, verse 3. Nous avons lu ce que l'apôtre Jean nous a dit. Lisons aussi ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre ou dans son épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Verse 3. Verset 3. Il dit, I implore you dear, and I implore Syntyche, to be of the same mind in the Lord. Oh, that's verse 3. And I urge you also, true companion, help these women who labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi
et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres de vie. Mm-hmm. Serving the Lord is a means and a way to keep your eternal life so that your name will never be taken away from the book of life. Et donc servir l'Éternel est un moyen sûr de pouvoir maintenir sa vie éternelle pour que son nom ne soit pas effacé ou radié de la vie du livre de vie. We need to be very careful. Nous devons donc tirer attention that once we are saved, et que du moment où nous sommes nés de nouveau, we know that we have the eternal life. Nous devons savoir que nous avons la vie éternelle. We have given you many scriptures before that in many other preaching that we had about eternal life. Nous vous avons donné plusieurs écritures à ce sujet dans nos épisodes précédents ou enseignements que nous avons donné. For instance, 1 John chapter 5 verse 12 said, "He who has Christ, who has the Son of God, has eternal life." Par exemple, dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, on dit que celui qui a le Fils a la vie. But he who does not have the Son of God does not have eternal life. Et que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas de vie. So, that is very clear. Donc cela est clair. And then in John chapter 3 verse 36. Et dans Jean chapitre 3 verset 36. It says the condition for somebody to get the eternal life. Et que la condition pour que quelqu'un puisse avoir la vie éternelle. He must believe in the Son of God. Il doit croire au Fils de Dieu. For God so loved the world, car Dieu a tant aimé le monde, that he gave his only begotten son, qu'il a donné son Fils unique, that whoever believes in him, afin que quiconque croit en lui, will not perish in the eternal damnation, ne périsse point dans le jugement éternel, but will have eternal life, mais qu'il ait la vie éternelle. So it is clear. Voilà, cela est clair. So for your name to be in the Lamb's book, you must be saved. You must have Christ in you. Donc pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, tu dois avoir Christ en toi. 1 John chapter 5 verse 12, it says that Jesus is eternal life. Donc 1 Jean 5, 12 dit que Jésus-Christ est la vie éternelle. So when you have him, you have the eternal life. Lorsque vous avez la vie éternelle. And your name is written in the book of life. Et votre nom est écrit dans le livre de vie de Christ. You will not be subjected to be judged. Vous ne serez pas assujetti ou soumis au jugement. So that is very important. Cela est donc très important. So now, et donc maintenant, in conclusion, en terminant, when you get the eternal life, lorsque vous recevez la vie éternelle, is it once for all? Est-ce que cette vie éternelle vous est donnée une fois pour toutes? And you can live whatever kind of life you want, et que vous pouvez vivre comme vous voulez? But always having that eternal life. Et tout en gardant sa vie éternelle. I don't think so. Je ne crois pas. Because we can see here. Parce que nous pouvons voir ici. Two scriptures that will help us. Deux écritures qui vont nous aider. Exodus chapter 32. Celui qui est important, c'est Exode 32. Exodus 32, we want to read from verse 30. Exode chapitre 32, nous lisons à partir du verset 30 to 35. Jusqu'au verset 35. Now it came to pass on the next day that Moses said to the people, "You have committed a great sin. So now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for you for your sin."
Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » 31. Then Moses returned to the Lord and said, Oh, these people have committed a great sin and have made for themselves a god of gold. 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. 32. Yet now, and now listen carefully. Yet now, Moses says, if you will forgive their sin, that's okay. But if not, if you don't forgive their sin, I pray, blot me out of your book which you have written. This is the book of life. Pardonne, 32, pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Now, the book of life in which names are written is not just existing in the New Testament. It started long ago from the time of Adam and Eve. Voilà, ce livre de vie où Dieu écrit le nom des gens, cela ne commence pas ou ne... n'existe pas seulement dans le Nouveau Testament, mais nous le voyons aussi depuis le temps d'Adam. From the time God saved Adam and Eve from their sin. Depuis le temps où Dieu a sauvé Adam et Ève de leur péché, we can recount a number of people called righteous people. Nous pouvons voir des gens qu'on appelle des gens ou des hommes justes. We could record Abel. Nous voyons Abel. Seth. Seth. And an Enoch who even lived so holy with God that he didn't never died physically. He was taken by God. Et Enoch qui a marché avec Dieu et a été pris par Dieu ou a été enlevé par Dieu. We have seen people like Noah. Nous voyons les gens comme Noé. God giving the testimony that he was the only just man that was found in that generation of Noah, corrupted people. Il fut le seul homme de sa génération ayant trouvé grâce ou obtenu grâce auprès de Dieu, ou c'est-à-dire ayant démontré la justice et la droiture devant Dieu. We read about Job. Nous lisons le conte de Job. The testimony that God gives about Job's le témoignage righteousness. Que Dieu, le témoignage de justice et de sainteté, de droiture que Dieu donne à la personne de Job. And the faith that was in Job. Et la foi qui fut en Job. Who said that even if I die, qui a dit, même si je meurs, and this body is decayed, et que ce corps se détériore, but I shall see my Redeemer, il dit que je verrai mon Rédempteur in this world of the living. Dans ce monde de vivants. So he had the faith of resurrection. Il avait donc la foi pour la résurrection. When Christ will come as the Redeemer. Lorsque Christ reviendra comme Rédempteur. So all those saints, et tous ces saints, their names are written, leurs noms sont écrits, including Moses, et Moses, et plutôt others. Moïse, et y compris Moïse et autres. And we see in the New Testament. Et nous le voyons dans le Nouveau Testament. And the Word of God tells us. La parole de Dieu nous le dit. On the day that Jesus was resurrected. Le jour où Jésus-Christ est ressuscité. A certain number of saints of the Old Testament. Un certain nombre de saints de l'Ancien Testament. Rose with him. Qui ont ressuscité également avec lui. Recovered new bodies. Et ont retrouvé de nouveaux corps. They walked in the street of Jerusalem. Ils ont marché dans les rues de Jérusalem. They were seen by people. Ils ont été repérés par les gens. So their names are found in the book of life. Et donc leurs noms sont écrits dans le livre de vie. So the book of life is
transgenerational. Et donc le livre de vie transcende toute génération. Anybody in any generation who practiced the righteousness of God to the end of his life, his name was written there. Toute personne qui a vécu sa vie et qui a vécu sa vie dans la crainte de Dieu, certainement a eu son nom écrit dans les livres de vie. And that is why Jesus was telling now his only disciple that be rejoicing if your names are written in heaven. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait à ses disciples que réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Because those books are not here in physical realm. Car ces livres ne sont pas là dans ce monde physique. In the spirit realm. Ils sont gardés dans le monde spirituel. But in that day they will be in the physical realm. Mais ce jour-là, ils vont apparaître dans les mondes spirituels. They will be read. Le monde physique, et ces livres seront lus. So having said that, ayant dit cela donc, let us continue to read. Continuons à lire. Now verse 32, 33. Verset 33. And the Lord said to Moses, whoever have sinned against me is the one I will blot out of my book. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Now here is a word of caution. Et voilà donc ici une parole d'avertissement. That is why we are saying. Voilà pourquoi nous disons. When you receive Jesus, lorsque vous recevez Jésus, you have the eternal life. Vous avez la vie éternelle. But that eternal life, mais cette vie éternelle, must be nurtured, doit être nourrie, and kept, doit être bien gardée, protected, protégée, so that you don't lose it, pour ne pas la perdre. Because sin is the only way by which you can lose your eternal life. Car le péché est le seul moyen par lequel l'on peut perdre la vie éternelle. Because God is telling Moses. Car Dieu dit à Moïse. It is the person who sins whose name shall be removed from the book of life. C'est la personne qui pèche contre moi que j'effacerai de mon livre. So the names can be erased. Donc les noms peuvent être effacés ou radiés. Which means you can lose your eternal life. Cela veut dire que vous pouvez perdre votre vie éternelle. All those type of theories that they tell you in some theologies of once saved, once all, that is a lie. God is clear here. You have to do effort to protect your eternal life. Tout ce que l'on vous raconte dans, par des théories des hommes qui disent qu'une fois sauvés, éternellement sauvé, c'est faux. Ici, la Bible nous dit que si l'on garde on marche selon la voie de Dieu, et si on reste fidèle à Dieu, c'est alors que nous aurons la vie éternelle et que notre nom ne sera pas radié du livre de vie. So, when you sin, donc, lorsque vous péchez, your name is removed. Votre nom est radié. It can only be put back. Il ne peut être restauré when you genuinely, que lorsque, let me repeat that, genuinely repent. Lorsque vous vous repentez sincèrement. That means what? Qu'est-ce que cela veut dire? Genuinely, you understand that you did wrong. Premièrement, vous devez comprendre sincèrement que vous avez erré. Secondly, et deuxièmement, you ask God to forgive you. Vous demandez à Dieu de vous pardonner. Thirdly, et troisièmement, you forsake that act of stealing or doing whatever. Vous abandonnez cet acte de voler et de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Because that is the principle of God. Car c'est ça le principe de Proverbs, Dieu. Proverbs chapter 28.
La Proverbe 28, verse 13, verset 13, it says, dit, he who hide his sins, celui qui cache ses péchés shall not prosper. Ne prospérera point. Not just materially, but even spiritually. Non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Because your name shall be by that time removed from, if you are saved, your name will be removed in the, from the book of life. Car si vous êtes sauvé, votre nom sera radié du livre de vie. But the Bible says, mais la Bible dit, if you confess your sins, si vous confessez vos péchés, and you forsake your sins, et que vous les abandonnez ou renoncez, then you'll find God's grace. Vous allez donc trouver grâce auprès de Dieu. It is only by those two conditions, ce n'est que par ces deux conditions, your name can be written again, que votre nom peut être réécrit. But if you hide your sin, mais si vous cachez vos péchés, or you, sometimes you can even confess it, ou que parfois vous pouvez le confesser, but you don't abandon it, mais vous ne l'abandonnez pas, so your name is always, et votre removed. Nom reste toujours radié du livre. So it is up to us now, donc c'est à nous maintenant to work our salvation, de pouvoir travailler notre salut with fear and trembling, avec crainte et beaucoup d'abnégation, by keeping our eternal life, en gardant notre vie éternelle, and far, being far away from sin, et rester loin du péché. And if we sin, et si nous péchons, we must genuinely repent. Nous devons sincèrement nous repentir. And that repentance, et cette repentance, for instance, if you have stolen something, par exemple, si vous avez volé les quelque chose. Total repentance is not just by accepting that you have stolen and you tell people I've stolen. La repentance ne veut pas dire simplement que j'ai volé et dire aux gens que ou and admettre que vous l'avez fait. God, forgive me for that. Ou je dis à Dieu pardonne-moi pour cela. And that I will not do that. Et que je ne le ferai plus. But whatever you have stolen, que tout ce que vous avez volé, you have to give it back. Vous devez faire restitution. That is what we call restitution. Voilà, c'est ce que nous appelons la restitution. As long as you have not yet done that, aussi longtemps que vous ne l'avez pas fait, your name is erased. Votre nom reste radié. So we need to be very serious. Nous devons donc être très sérieux. There is no something that we can take for granted. Il n'y a rien que nous puissions prendre à la légère. The church before COVID. L'Église avant le COVID-19 had changed the gospel of the kingdom of heaven. Avait changé le message du royaume de Dieu. By bringing our own mind, telling people, oh God is so good, oh, the grace of God is there, sin as you want, sin, God does not take care of the sin. That is a pure lie of the devil. En apportant donc, c'est-à-dire plutôt un évangile qui n'est pas propre, qui encourage le péché, puisque Dieu est miséricordieux, donc nous pouvons pécher comme nous voulons, non? This time God is ringing the bell. En ce temps ou en ce moment particulier, Dieu est en train de sonner la sonnette d'alarme, que nous devons être très sérieux dans l'Église pour que nous ne puissions pas être déçus on the day of rapture, au jour de l'enlèvement. Because there will be a snatching of teeth for people who will not be raptured. Car ceux-là qui ne seront pas enlevés vont graisser leurs dents. Because they took the word of God and the gospel of Jesus as for granted. Car ils ont pris à la légère la parole de Dieu. So may God bless you, my brother, my sister. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. You hear this gospel. Entendez, ou vous qui avez suivi ce message. The word that you have heard. La parole de Dieu que vous avez entendue. Jesus said, is the one that will judge you. Jésus a dit, c'est cette parole qui vous jugera. How? Comment? It will be a witness on that day of your judgment. Elle sera un
témoin pour vous en ce jour-là. That you have heard it, que vous l'avez entendu. But you harden your heart, mais que vous avez endurci vos cœurs. And you did not want to walk accordingly. Et que vous n'avez pas voulu marcher selon so my brother, my parole. Sister, et donc, mes frères et sœurs, I'm not the one to condemn you. Je ne suis pas là pour vous condamner. But I'm just bringing the light of the gospel. Je suis là juste pour vous apporter la lumière de la parole. Let us walk. Marchons in the fear of the Lord. Dans la crainte de Dieu. And of the word of God. Et dans la crainte de la parole de Dieu. And God bless you. Que Dieu vous bénisse. It is my pleasure now to call the man of God, Pastor. J'aimerais donc inviter le serviteur de Dieu, le pasteur Japhet Oyoko. Can we say, Jesus, we thank you. Puissions-nous dire, Jésus, nous te remercions for the word you have given us. Pour la parole que tu nous as adressée. Let us pray all together. Prions ensemble. Let us say, Father, in the name of Jesus. Dites, Père, au nom de Jésus. I thank you. Je te remercie. For helping me to understand. De m'avoir aidé à pouvoir comprendre. The importance of eternal life. L'importance de la vie éternelle. I know, je sais, that you want me to secure it. Que tu veux que je puisse l'avoir. I know, je sais, the eternal life que la vie éternelle is acquired est acquise by the salvation you give me. Par le salut que tu me donnes. But I know, mais je sais, you have elaborated today que tu as élaboré aujourd'hui. How I can secure it. Comment je peux la sécuriser? When you come to rapture the church. Lorsque tu viens enlever l'église. Thank you for helping me to understand. Merci de m'avoir aidé de comprendre. That when I die physically. Que lorsque je meurs physiquement. When I have eternal life. Et que j'ai la vie éternelle. At the rapture. Au moment de l'enlèvement. My life will be secured. Ma vie sera sûre. Thank you for helping me to understand. Merci de m'avoir aidé à pouvoir comprendre. Those who are not saved. Que ceux qui ne sont pas nés de nouveau. When they die physically. Lorsqu'ils meurent physiquement. Their inner man. Leur homme intérieur. Because of their wickedness. À cause de leur péché. Goes to hell. Va en enfer. Waiting for judgment. Et en attendant le jugement. But the inner man of the saved people. Mais l'homme intérieur des hommes nés de nouveau. Goes to paradise. Va au paradis. And will enjoy the blessings afterwards. Et va jouir des bénédictions bien après. Thank you for helping me. Merci de m'avoir aidé. To be serious with my salvation. À être sérieux avec mon salut. Because of the imminent judgment. À cause de ce jugement imminent. That awaits. Qui attend. People who have not been saved. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Who do not live a holy life. Et qui ne vivent pas dans la sainteté. Lord, I ask you to help me. Seigneur, je te prie de m'aider. At this time. En ce moment. Because I know. Car je sais. You have opened my understanding. Que tu as ouvert ma compréhension. The eternal life after this age. Que la vie éternelle après cet âge. In the millennium kingdom. Dans le royaume du millénaire. And in the new Jerusalem. Et même dans la nouvelle Jérusalem. And I know. Et je sais. The climax is the rapture. Que l'apogée c'est l'enlèvement. To help me to realize these blessings. Et pour m'aider à pouvoir avoir ces bénédictions. After the rapture. Après l'enlèvement. Thank you for explaining. Merci de nous avoir expliqué. The doom for the wicked. Ce qui attend les méchants. How terrible it will be. Combien cela est terrible. And helping me to understand. Merci de m'avoir aidé à comprendre. Clearly. Clairement. The account. Le compte. Of the rich man and Lazarus. De l'homme riche et de Lazare. And their inner man. Et leur homme intérieur. The one of the poor man. Celui de Lazarus. De l'homme riche et de Lazare, l'homme pauvre. Going to paradise. Lui, Lazare, qui est allé au paradis. And the wicked rich man. Et l'homme riche, méchant. Going to hell. Qui est allé en enfer. And I have understood now. Et je maintenant compris.
that the inner man, que l'homme intérieur, in the spiritual realm, dans le monde spirituel, speaks and has feelings, parle et a même des sentiments. Thank you, Lord, for this revelation. Merci, Seigneur, pour cette révélation. Mine is to do your will. Et ce qui m'importe, c'est de pouvoir accomplir ta volonté. To enjoy this life eternal. Et pour pouvoir jouir de cette vie éternelle. Search my life, Lord. Seigneur, sonde ma vie. Because I know. Car je sais. It is not by my works. Que ce n'est pas par mes œuvres. It is working. Day and night. Mais c'est un travail que je dois faire au quotidien. And making sure my name is in the book of life. Pour m'assurer que mon nom est dans le livre de vie. As you cautioned your disciples. Comme tu as averti tes disciples. When they were rejoicing. Lorsqu'ils se réjouissaient. But you told them an important thing. Que ce qui est de plus important, c'est que leur nom doit être écrit dans le livre de vie. Forgive me, Lord. Pardonne-moi, Seigneur. Where I have rejoiced. Là où je me suis réjoui. In the works you gave me. Dans les œuvres que tu m'as données. And yet my life is wanting. Alors que ma vie est a besoin de changer. Full of sin and iniquity. Qu'elle est pleine de péchés et d'iniquité. Wickedness. Et de méchanceté. Forgive me. Pardonne-moi. And help me to realize. Et aide-moi à réaliser. That I have to make sure. Que je dois m'assurer. My name is in the book of life. Que mon nom est dans le livre de vie. Thank you for many scriptures you have given me now. Merci pour les écritures que tu viens de me donner maintenant. To bring clarity. Pour amener de la clarité. To the reality of the eternal life. À la réalité de la vie éternelle. But at the same time. Mais au même moment. You have now cautioned me. Tu m'as averti. It is not only having eternal life. Qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir la vie éternelle. But if I do not secure it. Et que si je ne la garde pas ou la préserve pas. Live a holy life. Et que je ne vis pas ou que je ne mène pas une vie de sainteté. My name can be removed. Mon nom peut être radié. From the book of life. Du livre de vie. Thank you for cautioning me. Merci de m'avoir aidé. I come to you. Je viens à toi. Beseeching you. Je t'implore. In a humble way. Humblement. By your spirit. Par ton esprit. Search my life. Que tu puisses sonder ma vie. Any sin. Tout péché. That has caused. Qui a poussé, qui m'a poussé. My name to be blotted. À ce que mon nom puisse être radié. Out of the book of life. De la vie éternelle. Expose it to me. Expose-les. And to every one of us. Et à chacun de nous. That today. Et qu'aujourd'hui. We may return back. Nous puissions revenir. In a prescribed way. De manière, dans la manière prescrite. Of repentance. De la repentance. A genuine repentance. Une repentance sincère. By the power of the Holy Spirit. Par le pouvoir du Saint-Esprit. And forsaking all those sins. Et abandonnant tous ces péchés. And coming back to you. Et revenir à toi. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. I come to you. Je viens à toi. Acknowledging. Je reconnais. That I have sinned. Que j'ai péché. And fallen short of your glory. Et que je suis privé de ta gloire. Forgive me every sin. Pardonne tous mes péchés. And as I repent, et pendant que je me repens, by the help of the Holy Spirit, par l'aide du Saint-Esprit, I renounce all those sins, je renonce à tous ces péchés, in the name of Jesus Christ, au nom de Jésus-Christ, and I ask Lord, et je te prie au Seigneur, that the power of the Holy Spirit, que le pouvoir du Saint-Esprit, will help me, va m'aider, to make reconciliation, à pouvoir me réconcilier, at all levels, à tout niveau, between me and you, entre moi et toi, and between me and one another, entre moi et mes frères, restoration and restitution, une restauration et restitution, in the name of Jesus, au nom de Jésus, Holy Spirit, we come to you, Saint-Esprit, nous venons à toi,
acknowledging, nous reconnaissons, without your help, que sans ton aide, we cannot do all these things. Nous ne pouvons pas faire toutes ces choses. And yet you do not want us to be lost. Alors que tu ne veux pas que nous puissions nous perdre. You want our names to be continually. Tu veux que notre nom soit à jamais. In your book of life. Dans ton livre de vie. So help us. Donc aide-nous. To work our salvation. À pouvoir travailler notre salut. With fear and trembling. Avec crainte et abnégation. So that at the time of rapture, pour que lorsque le temps de l'enlèvement sera là, instead of crying and gnashing, au lieu de pleurer teeth, et de grincer nos dents, we shall be rejoicing. Nous allons nous réjouir. This is our prayer. Voilà donc notre prière. For each one of us, la prière pour chacun we de nous. Come to you, nous venons à toi. Asking you, nous te prions to help us, de nous aider. That none of us, que personne d'entre nous, who have heard this message, qui a entendu ce message, will miss rapture, ne puisse rater l'enlèvement. This is our prayer. Voilà donc notre prière. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you so much, man of God. Merci beaucoup, homme de Dieu. We want to seal this word. Nous voulons sceller cette parole with the holy meal. Par le saint repas. We know already the scriptures that are related to the holy meal. Nous savons déjà les écritures qui sont liées à ce saint repas. And we want just to read and then to proceed. Nous voulons lire et puis procéder à la prise de la Sainte Cène. In the book of Matthew, dans les livres de Matthieu, chapter 26, chapitre 26, Jesus is introducing the Holy Communion. Jésus introduit la Sainte Cène. To link it to what he had already told his disciples. Pour le lier à ce qu'il avait déjà dit à ses disciples. In John chapter 6. Dans Jean chapitre 6. He said, and as they were eating, Jesus took bread and blessed and broke it and gave it to the disciples and said, take it, this is my body. And then he took the cup and gave thanks, and gave it to them, saying, drink from it, all of you. 28, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. We are reading Matthew chapter 26, from verse 26 to 28. La Bible dit ceci, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Je vous l'ai dit, je m'arrête là. So today we are going to experience the forgiveness of sin if we confess our sins genuinely and if we really repent and forsake it. The power of cleansing us through the blood of Jesus from our sins is already granted. Nous allons aujourd'hui expérimenter le pardon des péchés si nous nous repentons sincèrement et nous avons déjà la provision du sang de Jésus-Christ qui nous a été donné pour la rémission de nos péchés. So, I want to invite each one of you in your house. J'aimerais donc inviter chacun de vous dans vos domiciles. Who are ready to partake this Holy Communion? Vous qui êtes prêts de prendre cette sainte cène. First of all, to wash your hands. Je vous prie de pouvoir vous laver les mains. And if possible, you can sanitize. Et si possible, que vous puissiez les désinfecter. And also be ready to pray before God. Et soyez prêts à prier auprès de Dieu. To cleanse our hearts. Que Dieu puisse sanctifier vos cœurs. By a sincere
forgiveness of our sins. Et que vous puissiez vraiment, que Dieu puisse vous pardonner sincèrement. As we sincerely come before him, alors que nous nous approchons sincèrement de lui, and pour our heart before him, et que nous lui offrons nos cœurs in repentance, dans la repentance, and asking God to help us, et nous lui demandons de pouvoir nous aider. So Father, in the name of Jesus, Père au nom de Jésus, we come before you, nous venons à toi. After such a message, après ce message, we humble ourselves before you. Nous nous humilions devant toi. We ask you to forgive our sins. Nous te prions de nous pardonner nos we péchés. Are wicked. Nous sommes méchants in many things. Dans beaucoup de choses. Wicked in our words. Dans nos paroles. Wicked in our thoughts. Dans nos pensées. Wicked in our actions. Dans nos actes. Wicked in our motives. Dans nos motivations. Wicked in our attitudes. Dans nos attitudes. And wicked in everything. Et méchants dans tout. Lord God, have mercy upon us. Ô Seigneur, aie pitié de nous. May the Holy Spirit, que le Saint-Esprit, bring the light, puisse nous apporter la lumière dans nos cœurs, so that we can renounce, pour que nous puissions renoncer, and reject, et rejeter, and refuse, et refuser, to be slaves, d'être esclaves, of those sins, de ce péché-là. But to let the Holy Spirit, mais nous voulons que le Saint-Esprit, that came into our lives, qui est venu dans nos vies, when we confessed Christ, lorsque nous avons confessé Christ, to work mightily, de pouvoir agir puissamment in our hearts, dans nos cœurs, to produce the character of Christ, pour produire le caractère de Christ, so that pour que we can be blameless, nous puissions être sans tache, and that our names, et que notre nom will be maintained, soit écrit in the book of life, dans le livre de vie of Christ, dans le livre de vie de Christ. Help us, O Lord, aide-nous, ô Seigneur, as we partake this holy communion, alors que nous partageons cette sainte scène. Remember what you taught us, nous nous rappelons de ce que tu nous as concerning this bread, ce que tu nous as dit ou instruit concernant le pain, which represent the body of qui Christ, représente le corps de Christ, and this juice, et ce jus, which represent the blood of Christ, qui représente le sang de Christ. Lord, we want, Seigneur, nous voulons, by your grace, par ta grâce, impart in us, que tu puisses nous transmettre your virtues, tes vertus, that are in your body, les vertus qui sont dans ton corps, and in your blood, et dans ton sang, to change us, pour nous changer, to deliver us, pour nous délivrer from powers of sin, du pouvoir du péché, and power of Satan, et du pouvoir du diable, and power of hell, et du pouvoir de l'enfer. So bless this element, bénis ces éléments, to the glory of your name, pour la gloire de ton in nom. Jesus name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Okay, so now, donc, the person who is in charge in your house, celui qui s'occupe de la Sainte Cène, if he has gloves like me, s'il a des gants comme moi, he can just take the bread, il peut prendre le pain, and start breaking it, et commencer à le rompre. But if he does not have gloves, mais s'il n'a pas des gants, let him use, qu'il utilise of cette serviette ou ce type de serviette, and open it, ouvrez-la, and wrap it, et emballez le pain, like this, comme ça, without touching it, sans pouvoir le toucher, and start breaking it, et commencez à le rompre. So now it is my pleasure to ask you, et moi je vous demande maintenant, to break the bread, de pouvoir briser le pain, in as many people as you are in your house, à autant de morceaux, selon le nombre de ceux qui vont participer à la Sainte Cène. I have seven people in this studio. J'ai 7 personnes avec moi dans ce studio. So I am breaking it in 7 pieces. Donc je vais les briser en 7 morceaux. It has gone high. Good. So when you finish breaking the après bread, avoir brisé le pain, now you can take your cup. Vous pouvez maintenant prendre la coupe,
Take as many glasses or cups as you have people in your house. Prenez autant de verres dont vous avez besoin par rapport au nombre de gens que vous avez chez vous. And start pouring in each glass or cup. Et commencez à les verser dans les coupes ou dans les verres. The juice. Verser le jus. For me, it is already done. Pour moi, tout est déjà fait. So, do it to the glory of the name of the Lord. Faites-le pour la gloire du nom du Seigneur. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Good. Now you can distribute bread to each one of your people. Nous pouvons maintenant distribuer le pain à chacune de ceux qui sont avec nous. As I have my gloves, voilà, j'ai mes gants. I can give to the people. Je peux donner à chacune des. Good. So give to everyone, and anything that will remain, you are to take it before you close everything, because it is holy. We have prayed about it. Voilà, donc priez, cela est, vous pouvez donner, car nous avons déjà prié et tout est sanctifié. And then whatever will remain, ce qui va rester, if you have broken more bread, si vous avez plus de morceaux de pain, you will eat it immediately. When we get to eat it. Vous allez le manger immédiatement lorsque nous allons donner l'ordre de pouvoir en manger. Don't throw anything. Ne jetez rien that has been consecrated. Qui a été consacré. Because it is an offense to the Lord. Car cela est une offense envers le Seigneur. Blasphemy. C'est un blasphème. God forgive us for many times that we have done blasphemy. Que Dieu nous pardonne pour avoir fait cela. Now you can give the cups. Vous pouvez maintenant donner les coupes ou les verres de jus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Now we can eat bread. Nous pouvons maintenant manger le pain. Nous pouvons prendre le jus. Pastor Jafet Oyoko, can come and pray for us. Pasteur Oyoko, vous pouvez
Priez pour nous. Father, in the name of Jesus Christ, Père, dans le nom de Jésus-Christ, we bless your name, nous bénissons ton nom for your love upon our lives, pour ton amour pour nous, that you want us to secure eternal life. Tu veux que nous puissions retenir notre vie éternelle. And that's why you have provided this Holy Communion, voilà pourquoi tu nous as donné cette Sainte Cène, even to help us pour nous aider to realize that goal. À pouvoir atteindre ce but-là. We know, nous savons through your word, qu'à travers ta parole, you have said, tu as dit as we have partaken your body, que comme nous avons partagé by, de ton corps, by faith we receive all the virtues, par la croix, nous recevons toutes les vertus that are in you, qui sont en toi. We believe those virtues are good, nous croyons que ces vertus sont bonnes to help us secure eternal life, pour nous aider à sécuriser notre vie éternelle and to receive various blessings. Et à recevoir également plusieurs bénédictions. We believe also nous croyons aussi the cup we have taken que la coupe que nous venons de prendre represents your blood. Représente ton sang. We know we have received nous savons que nous avons reçu all the virtues toutes les vertus in your blood. Dans ton sang. Even all the sins we have confessed, même tous les péchés que nous avons confessés, we believe nous croyons the blood au sang de Jésus has washed them away, que le sang de Jésus les a effacés. And we thank you, nous te remercions because you are strengthening each one of us, car tu fortifies chacun de nous by allowing us to partake of this Holy Communion, en nous permettant de pouvoir partager cette Sainte Cène. It is a means of deliverance. C'est un moyen de délivrance from every wicked power. De tout pouvoir, satanique. Diseases and infirmities. Des maladies et infirmités. And oppression of every kind. Et oppression de tout genre. We know you are working mightily now. Nous savons que tu œuvres puissamment en nous. Doing all kinds of deliverance. Et que tu nous délivres. So we thank you, nous te remercions, because also you are helping us to practice, car tu nous aides à pratiquer, what we shall do, ce que nous allons faire, in the eternal age, dans le monde ou dans l'âge éternel, as we wait for that great time, alors que nous attendons ce temps-là, to partake it with you, pour que nous puissions partager ce repas avec so toi. Help everyone of us, et donc aide chacun de nous to be serious, pour que nous puissions être sérieux, knowing that there are great blessings ahead, sachant qu'il y a de grandes bénédictions qui blessed nous attendent. Be your name. Que ton nom soit béni. In Jesus name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Thank you, man of God. Merci beaucoup, homme de Dieu. Now we want to pray for the offerings. Nous voulons maintenant prier pour les offrandes. Because God told us, car Dieu nous a dit, we should not come before the Lord empty-handed. Que nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu les mains vides. Except when we don't have anything at all. Excepté lorsque nous n'avons rien du tout. So, because of that, donc à cause de cela, it is a privilege for us. C'est un privilège pour nous. To even honor God with our possession. De pouvoir honorer notre Dieu par nos possessions. So let us pray. Prions. Our heavenly Father, we thank you and we bless your name. Notre Père céleste, nous te remercions et nous bénissons ton nom. We understand through your word. Nous comprenons à travers ta parole that when we come before you, que lorsque nous venons à toi, we should come with an offering. Nous devons venir avec une offrande. So today there are people who have come before you. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui se sont présentés devant toi. Through this congregation. À travers cette congrégation. And you have fed us. Et tu nous as nourris. With your word. Par ta parole. And your presence. Et ta présence. And your blessing. Et tes bénédictions. Now it is our time. Maintenant, c'est notre temps. Whatever we have proposed in our hearts. Tout ce que nous avons décidé dans nos cœurs, we have brought it to you. Nous l'apportons maintenant, including our tithes and our offerings, y compris nos dîmes et nos offrandes. So Lord, bless each giver. Donc Seigneur, bénis tous ceux qui vont donner, and give us peace, et que tu nous donnes ta paix,
And may your name be glorified. Et que ton nom soit glorifié. We thank you, Father. Que ton nom béni. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. So, if you have any problem, si vous avez un problème, des problèmes, ask all of you in your house to sit down. Je vous prie de pouvoir vous mettre. And if you have any problem si concerning problème, where to, how to send your gift. Si vous avez des problèmes d'envoyer vos dons à ce ministère of Crisco Parkland Church, de l'église Crisco Parkland, you can call us. Vous pouvez nous appeler. Otherwise, everything you can sit in screen, the pay bill number and everything, you can channel your giving through that number. Sinon, vous pouvez envoyer vos dons dans à travers les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. If you have any problem, si vous avez des problèmes, call us. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Or you come to our office if you are in Nairobi. Ou même vous pouvez venir dans nos bureaux si vous êtes à Nairobi. Our office is in Lower Hill. Duplex flat, room 42. Et voilà nos bureaux, c'est à Lowell Hill Duplex, suite 42, 42. So, you can come and God bless you. Vous pouvez donc venir et que Dieu vous bénisse. And I want to ask you one thing. J'aimerais vous demander une chose. Share this message. Partagez ce message with as many people as you can. À autant de personnes que vous pouvez. And God will bless you for that. Et Dieu vous bénira pour because cela. Because anybody who will hear the message. Car toute personne qui va entendre ce message. And will be saved. Et qui sera sauvé. And will acquire eternal life. Et qui aura acquis la vie éternelle. Will preserve his eternal life. Dieu va garder sa vie éternelle. Because of you. À cause de vous. Sharing this. Qui avait partagé ceci. God will reward you. Et Dieu va certainement. That is what God has said. Vous récompenser. Voilà ce que Dieu a so dit. Seek reward from donc God. Cherchez la récompense de Dieu. So share the link with everybody. Partagez donc ce lien avec tout le monde. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. This is my time now. Voilà donc le moment est venu pour moi. We can, wherever you are, you can partout stand où vous êtes, vous pouvez vous mettre debout and lift up your hands et lever vos mains to receive the blessings of the word of God. Pour recevoir les bénédictions de Dieu. As God recommended it to Moses comme and Aaron. Dieu l'a recommandé à Moïse. And the Lord spoke to Moses, saying, speak to Aaron and to his sons, saying, this is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, and may the Lord bless you and keep you. Que Dieu te bénisse et te garde. May the Lord make his face shine upon you. Que l'Éternel Dieu fasse luire sa face sur toi. May the Lord be gracious to you all. Que l'Éternel puisse vous combler de sa grâce. May the Lord lift up his countenance upon you. Que l'Éternel puisse vous être favorable. And may the Lord give you peace now and forever. Et que l'Éternel vous donne la paix maintenant et à jamais. And now may the grace of our Lord Jesus Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. And the love of God. L'amour de Dieu le Père. And the fellowship of the Holy Spirit. Et la communion du Saint-Esprit be with us now. Soit avec nous tous and forevermore. Maintenant et à jamais. Amen. Amen. So God bless you. Que Dieu vous bénisse. See you next time. On se voit prochainement.